Salut Pania du Japon. Comment ça va bien? La vie, les enfants, les amants. D'ailleurs, juste à côté, là, comment? Une affiche pour le ballon rouge. Il y a un tuto pour Contraste. Nanocube. Je sais. Tu vas descendre et déplacer Chariot. Vous m'offensez! D'accord. Je vais mettre la lumière rouge. Attends, ma vie! Là. Lumière Évidemment, j'ai fait un tuto pour Contraste. Sur ma chaîne avec tout le reste. Au milieu des 50 vidéos d'Alice. Donc là, typiquement, ça nous disait rejoignez Didi au Ghost Note. Sauf qu'en fait, je vais carrément pas y aller. Ce qui est dommage, parce que le Ghost Note, c'est vraiment cool. Oh, Tardis! C'est Tu es gentille, gentil. Lily. Maman, est-ce que papa va Maman? revenir à la maison un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Taïo! Il vient juste de passer par cette porte. Je parie qu'il s'en va encore au bar. Maman dit que papa nous a quittés. Ah, il est chouette ce jeu, Il nous franchement il est appelle, chouette. Hein. n'est-ce pas? Même en casu, hein, j'ai Et elle vient nous surkiffé quoi. voir. L'ambiance elle est géniale. Ça ne veut plus Ah, presque. s'ouvrir. Mais tu pourrais la forcer. Tu es très forte. Ouais, fais-le en casu avant, tu vas voir, il est chouette. J'ai vu le reste des vidéos depuis que j'ai vu celle du J'ai encore le paquet de l'écurly là à côté. L'écurly. And by the way, speaking about TARDIS, my cat, there is the real TARDIS in this game. Ah! Flûte. Just there, on the other side of the cinema. There is Dr. Stardis over there. You can see the windows. That's quite fun. But you cannot go inside to know if it's bigger inside. Y a vraiment pas de sol pour les tables. Non, non, y a pas de sol en fait. J'ai tellement un peu tout cassé que du coup le sol n'a pas eu le temps de popper. Et du coup, je suis obligée en fait de passer justement par la chaise pour atteindre le trigger qui est à côté. Disappointing. I like when in English movies people try to speak French. That's quite fun. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu dans le dernier, c'était quoi? Avengers, je crois. Avengers ou Captain America, je sais plus. Bon, en fait, il y a un méchant, sauf qu'en fait, il parle bien français, mais avec l'accent québécois. Je vois quand ça arrache dès qu'on aura récupéré le colis. C'était assez fun. Pourquoi t'es revenu, Johnny? Je veux revenir à la maison. Tu ne crois pas un mot de ce que tu dis, Kat. Je peux lire en toi comme dans un L'omelette du livre. fromage. Non, Johnny. Maman, arrête! Tardis, ça tardait. Vincenzo. En tout cas, tout ça pour dire, dans Skyrim, il me reste plus qu'à faire les atouts de loup-garou. D'ailleurs, c'est bizarre parce que dans le... Il va falloir que tu traverses un Oups. monde.
Parce que dans le menu, enfin dans le texte du succès, il dit qu'il faut actionner les 11 trucs, je crois, c'est. Il faut avoir les 11 atouts. Mais techniquement, je crois que j'en ai vu que 7 ou 8 dans l'arbre de compétences, donc je sais pas, c'est bizarre. Ok. Oh! Le buisson! Le buisson! Le buisson! Pardon. C'est pas moi. Il est parti par là. Oups. Essaye de faire parler français des streamers anglais. Quelle idée! Bravo! Tu as réussi! Bon! Ok! First try. GG Wallplay. Capitaine sur le pont. Oh, la matelot. Levez l'ancre. Hissez la grand voile. J'ai fait tous les DLC. Là, il me manque j'essaie juste de faire les succès, sinon j'ai fait à peu près tout ce qu'il était possible de faire. J'y travaille. Ce qui est marrant, c'est que t'entends tout le monde dire omelette du fromage, alors qu'en fait, ça veut... Ça ne... Aouh! Hey! Tardis! Tu chantes quand? Si je fais un pipi. Allez, pause. La seconde étoile sur la droite, puis tout droit jusqu'au matin. Est-ce que c'est censé vous appeler ou quoi? Une fois, j'avais une copine, elle était fan de musique et tout, musicienne elle-même et tout. Et elle chantait toujours « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Et une fois, je lui ai expliqué ce que ça voulait dire. Elle était choquée et je crois qu'elle ne l'a plus jamais chanté de sa vie. Ouais, mais je suis en train de penser en fait, parce que du coup, vu que je vais manger chez ma belle-sœur, je pense que je vais arrêter après ce run et je vais aller faire des gâteaux. Parce que moi, j'aime bien ça, les gâteaux. En soi, je pourrais faire une mousse au chocolat, mais le problème, c'est que je sais pas si elle aura le temps de refroidir le temps qu'on mange. Merde. La bouboule! La bouboule! La bouboule, la bouboule! Ouais, moi je mange quasiment rien en vrai. Moulin rouge. Ouais, les moules plus connus, c'est vrai. Retourne d'où tu viens, espèce de grosse pieuvre. Trouve-toi une baleine à embêter! Chanson française la plus répandue, ouais. Avec non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je sais pas chanter, hein, mais bon. j'aimerais bien savoir chanter en vrai, mais. On va dire que j'ai juste assez de skill pour chanter les bonnes notes une chanson sur deux. Mais ça ressemble quand même à rien. Oups. Putain, mais en fait, j'essaie vraiment de sauter comme dans Skyrim. Je crois que je suis trop fatiguée, faut que j'arrête. Il y avait ça aussi. History, t'as regardé American Horror Story, non? Dominique, Nicanique, s'en allait tout simplement. Où vous teniez chantant. Normal. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Je suis sûre qu'il a oublié de faire quelque chose et que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Elle est horrible cette chanson, je te jure. J'ai cru que j'allais devenir taille à la fin de la. Ou quelque chose comme ça. Allez! Très correct. Bon, ça va, j'en demande pas plus. Parce que par exemple, Gab, typiquement, il aime bien chanter, mais il se souvient jamais des paroles.
Donc ça donne des trucs du genre. Jeudi matin, le prince, sa sœur et puis sa mère sont venus chez moi pour manger du boudin. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit samedi matin. Et voilà, et c'est. Ok. 3, 2, 1, go! Oups, non, non, c'est pas ça que je vais faire. T'as l'épisode 13 de la saison 2, ah, c'est tout? Allez. Ah ouais, quand même! Nous, on a attaqué la saison 4 là, mais c'est vrai qu'il y a un petit moment qu'on n'a pas pu regarder. Elle est horrible cette saison d'American Horror. N'empêche, faut reconnaître un truc, American Horror Story, c'est la seule série où tu peux dire « Non mais alors en fait, dans cette saison, t'as des possessions, un asile de fous, un tueur en série, des nazis, des scientifiques fous, des monstres de Frankenstein un peu. » Ok. Alors American Horror Story, c'est vraiment sympa. Après, comme c'est une série d'anthologie... Donc toutes les saisons n'ont aucun rapport, enfin chaque saison a sa trame scénaristique, elle est différente des autres saisons en fait, donc tu peux les regarder dans l'ordre où tu veux. Du coup il y a certaines saisons qui sont mieux que les autres. Donc sachant que là je dirais que ma préférée ça devait être le... Oh, je sais pas trop, la première elle est pas terrible, la 2 elle est pas mal. La 3 elle s'éloigne un peu du principe en fait, du coup j'aime un peu moins même si elle est chouette quand même. Et alors la 4, oh, putain, c'est chaud. C'est... Oh. La saison 2 est la meilleure. Bah moi c'est une de celles que je préfère, ouais. Bah la 3 elle est bien aussi, mais... C'est un peu moins histoire d'horreur, on va dire. La saison 4, j'ai du mal à accrocher aussi sur le principe. Mais en fait, l'espèce de méchant clown, je sais pas, je crois que c'est lui qui me fait un peu tenir sur le reste de... Hop là. De la saison, en fait. Non! Allez, saute! Voilà, c'est bien. Hop là. Tac, tac, tac. Ok. Saison 5 en octobre avec Lady Gaga sur le thème des hôtels, c'est sérieux. Il faut trouver une façon d'éclairer la scène. En tout cas, c'est une chouette série, American Horror Story. Alors après, par contre, il y a une série, je sens qu'elle est chouette, mais je m'endors tout le temps quand je regarde, c'est True Detective. J'ai regardé toute la saison 1 et en fait, je me souviens de rien du tout. Sauf que à chaque fois que... Putain. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Voilà. Allez. Je crois que je me suis rarement autant cogné ici. Voire cogné tout court en fait. Je crois que c'est jamais arrivé avant. Sinon j'ai maté The Originals et je suis hyper fan, alors que pourtant pour un spin-off de Vampire Diaries c'était pas gagné. Mais j'ai chialé ma race à la fin de la saison 1 quoi. Le dernier épisode j'ai fait que chialer du début à la fin. Et pour arriver à me faire chialer faut y aller quand même. Sachant que je crois qu'un des seuls jeux qui m'a fait chialer dans ma vie c'est... Oh merde. C'était Allez. On va se concentrer un peu quand même. Un des deux seuls jeux, je crois, qui m'ont fait chialer, c'était Walking Dead. Et plusieurs fois, c'est ça le pire. Il y avait d'autres jeux où j'avais un peu chialé, mais sans plus. Mais alors celui-là. Ouais, mais le jeu, la série elle est pourrave, mais le jeu il m'a vraiment fait chialer. Il y a avec le gamin dans la...
comment ça s'appelle ? Merde. Allez. Le... Oh là là. Je suis pas très douée. Avec le gamin dans la... Dans le grenier. Et Allez, monte. Allez, oh ! Johnny ! Puis la fin, forcément. Allez, mais c'est pas possible. Mais pourquoi j'arrive plus à rentrer dans les ombres, là ? En fait, je crois que je suis vraiment en train de complètement mélanger mes touches et tout. Putain. Rest in peace, Pibi. Faut que je vérifie, je sais plus combien c'est, mon Pibi. Mais je crois que je suis vraiment pas loin. Y'a quelqu'un qui a le leaderboard sous les yeux et qui arrive à me dire. Allez. Attendez. Je crois que je vais pas y échapper,